Bonjour à tous, ici Tuto GoPro présenté par Thomas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les objets que j'ai reçus de chez Peak Designs. Avec Capture Pro version 2, vous pourrez ainsi attacher tous vos appareils photo, réflexe numérique et GoPro sur votre ceinture ou sur vos sangles. Il convient aussi au trépied et aux plateformes. Je vous laisse découvrir ce qu'il y a dans les deux boîtes et qui va vous permettre de faire vraiment de belles choses, de belles photos et de belles balades. Petite mise en situation avec le ProPad qui va vous permettre d'avoir une meilleure stabilité et un meilleur confort avec les appareils photo réflexe avec un plus gros objectif. Donc le capture sera bien entendu bien protégé, il sera bien maintenu. Le Capture V2 et ProPad seront toujours très discrets et bien entendu très résistants. Ils peuvent tenir jusqu'à 90 kg. Vous avez la possibilité d'activer la sécurité qui permettra de ne pas faire tomber votre appareil photo pendant vos activités. Vous pouvez faire de nombreux sports. Vous pouvez vous arrêter à tout moment dans votre activité, ainsi prendre une photo en quelques secondes et reposer par la suite l'appareil photo dans le Capture V2. Peak Designs, pour plus de sécurité, vous propose la Dragon Cuff. D'une part, elle se met en bracelet et est très discrète, et d'autre part, elle permet de protéger votre appareil photo de toute chute quand vous l'avez en main. Et je vous propose le POV Kit. Donc le POV Kit est pour la GoPro ou pour les appareils photo numériques qui veulent faire du POV, donc filmer devant soi sous un autre angle. Toujours très résistant avec la petite sécurité. Pour les plus curieux qui aimeraient acheter ces produits, je vous propose un petit code promo de 10%. Donc c'est Tuto GoPro, tout en minuscule. Je vous le remets dans la description et je mettrai aussi le lien qui vous redirige vers le site internet Peak Design. Je remercie Franck de m'avoir aidé pour tourner ces vidéos. Je remercie Peak Designs pour m'avoir envoyé ces objets. Et je vous invite à aller sur ma page Twitter, me suivre et me poser de nombreuses questions. Et je vous invite aussi à aller voir mes deux dernières vidéos. Allez, ciao tout le monde !